Cette semaine, Lucie est déprimée. Son chat Tupac l'a quitté. Il est parti faire du rap à Long Beach. Depuis, Lucie vit en peignoir et compte les croquettes. Juliette, qui sort avec Nino, qui est l'amie de Paul, qui sort avec Louise, qui est l'amie de Lucie, lui prépare un week-end. Un week-end pour donner la patate à Lucie. Un week-end pour papoter en illimité. Un week-end pour tout oublier. Leur première mission, trouver la tenue idéale pour ce week-end entre filles. Direction leur boutique préférée. L'opération sélection habillage commence. Ça y est, nos funky ladies sont... pas du tout prêts. Ça y est, nos funky ladies sont... presque, mais pas encore. Ça y est, nos funky ladies sont enfin prêtes. Juliette et Lucie retrouvent Louise sur la plage. Et c'est parti pour une démonstration nouvelle tenue. Juliette s'est trouvée une tenue à l'esprit romantique avec une touche de glamour. Lucie, un ensemble casual avec une pointe de chic. Une robe couleur printemps aux détails brodés. Un short blanc et sa petite ceinture. Un simili-cuir écrémé, fleuri à l'intérieur. Un foulard léopard sauvage multicolore. Une veste en jean coupe classique. Les indispensables accessoires, lunettes et bracelets. Juliette et Lucie ont copié pour les chaussures, mais pas pour la couleur. Mission accomplie. La déprime, c'est fini. Les funky ladies profitent d'un cocktail devant le défilé cache-cache au Festival des jeunes créateurs de Dinard. Pendant que les funky ladies sont en week-end, l'incroyable Nino part à la recherche de Tupac. La la la.